qu'est-ce que c'est que l'école numérique ? C'est pas seulement les tablettes à l'école, c'est aussi tout un tas de gestes qu'on demande aux professeurs de réaliser aujourd'hui au quotidien, enfin, vous le savez tous. Donc c'est l'introduction du cahier de texte numérique, pour certains collèges, mais ça va aller en s'amplifiant, donc l'utilisation de tablettes. C'est l'école numérique, c'est ça, ce que vous avez devant vous. Il n'y a pas de souci. L'école numérique, ce n'est que le prolongement de ce qu'on vit dans les entreprises, donc c'est normal. Problème informatique, on est en plein dedans. Donc le professeur fait dos à la classe, il ne voit plus ses élèves. Les élèves rigolent, enfin voilà. Petit cas pratique. Donc, alors... Un petit chiffre juste, les nouveaux programmes là, dans les nouveaux programmes du collège, donc, qui font presque 300 pages, amusez-vous à faire un contrôle F avec le mot numérique et vous allez le trouver 234 fois. Faites un petit contrôle F avec le mot livre et vous allez le trouver 15 fois. Donc on est vraiment dans un changement de paradigme par rapport à ce qu'on veut pour l'école. Et aujourd'hui, le numérique est en train de s'installer de façon très profonde. Alors, le thème de mon intervention, c'est « Numériser l'école, un choix pédagogique irrationnel ». Alors, je m'avance peut-être en disant cela, mais notre analyse s'appuie sur tout un tas d'études scientifiques qui commencent à observer les effets de l'utilisation numérique sur l'apprentissage. La question, c'est donc, est-ce que le numérique permet de mieux apprendre ? Au fond, c'est ça la vraie question, puisque l'école, c'est bien son objet, apprendre quelque chose aux enfants ou leur apprendre à faire quelque chose. Et aujourd'hui, on veut numériser l'école. Alors, est-ce qu'on peut mieux apprendre avec le numérique? D'abord, qu'est-ce qu'en dit l'OCDE, hein, puisque vous connaissez tous le programme PISA, donc qui compare les systèmes scolaires. Et il y a un rapport qui est sorti en 2015, qui s'appelle « Connecter pour apprendre ?» point d'interrogation. Et c'est un rapport de l'OCDE qui reprend les résultats de PISA 2012 sous l'angle de la numérisation des systèmes scolaires. Et dans ce rapport, eh bien, on découvre de façon surprenante que plus les systèmes scolaires sont numérisés, eh bien, moins les enfants comprennent ce qu'ils lisent. C'est-à-dire que le niveau en compréhension de l'écrit a tendance à chuter quand le niveau de numérisation des écoles, mesuré par le nombre d'ordinateurs par classe, augmente. Donc ça semble assez surprenant dans un rapport de l'OCDE, mais les résultats étant ce qu'ils sont, l'OCDE ne peut pas s'en cacher et fait bien ce constat, on découvre bien ces graphiques. On découvre par exemple que Singapour est très peu numérisé et première ou deuxième constamment dans le classement de l'OCDE, mais deuxième ou troisième, vous avez souvent la Corée du Sud. Or la Corée du Sud est, alors c'est l'inverse, pardon, Singapour est très numérisé, la Corée du Sud est très peu numérisée, voilà. Sauf que les deux sont en tête des classements. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la numérisation n'a rien à voir avec les résultats scolaires. On pouvait s'en douter, mais voilà. Dans ce rapport de l'OCDE, on le découvre. Ce qui est très surprenant, c'est que dans la conclusion de son rapport, l'OCDE invite à renforcer la numérisation. Donc là, il y a une vraie schizophrénie de cette organisation européenne qui, à la fois, fait un constat d'échec pour le moment et invite tout de même à renforcer la numérisation. Donc on est véritablement dans l'idéologie. Alors pourquoi, pour le moment, on n'arrive pas à trouver d'études qui montrent l'efficacité du numérique à l'école? Parce qu'on les a cherchées. On n'avait pas l'intention d'écrire un livre à charge contre le numérique à l'école. On a essayé de regarder s'il y avait des aspects positifs. Pour l'instant, on ne trouve pas d'études en ce sens. Ou alors, quand on en trouve, ce sont de simples corrélations et pas des liens de causalité. Alors, pourquoi? Alors, moi, ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu, eh bien, ce sont tous les mythes liés au numérique. Hein. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a une telle volonté politique de numériser l'école, quand bien même ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a tout un tas de mythes, et le premier de ces mythes, c'est celui d'une pédagogie active. Donc, on pense qu'avec le numérique, on va pouvoir
faire une pédagogie active avec les élèves. Deux chercheurs en psychologie, donc Franck Amadieu et André Tricot, ont publié une synthèse très intéressante sur le sujet qui s'appelle « Apprendre avec le numérique, mythe et réalité ». Et dans cette synthèse, on découvre un petit peu ce que signifie pédagogie active. En fait, une pédagogie est active quand on produit un contenu. Et c'est bien ce que faisait une pédagogie Freinet dès les années 1920. On faisait écrire aux enfants, faire des correspondances scolaires, faire tourner une petite imprimante de l'école, etc. On était déjà dans une pédagogie active et il n'y avait pas de numérique. Quelqu'un veut dire quelque chose ? Non ? Aujourd'hui, quand on parle de pédagogie active autour du numérique, c'est parce qu'on confond ce qui bouge et ce qui est actif. C'est-à-dire, quand on va mettre aux enfants un document interactif où on peut cliquer sur des liens, on a l'impression que le fait de cliquer sur un lien, ça rend l'élève actif. En réalité, on se rend compte que le fait de cliquer sur ces liens leur permet de ralentir le rythme par rapport, par exemple, à une vidéo qui, en fait, est très exigeante pour le cerveau d'un enfant ou d'un adolescent. Montrer une vidéo à un enfant, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas plus simple que lui faire lire un texte. Au contraire, c'est plus exigeant parce que son cerveau ne sait pas exactement ce qu'il doit sélectionner comme information et, par rapport aux questions qui vont lui être posées. Et donc, les liens sur lesquels il peut cliquer lui permettent de ralentir le rythme et donc de comprendre ce qu'il est en train de regarder. Et ça ne lui permet pas d'approfondir ce qu'il apprend. Donc, on n'a pas là un approfondissement de l'apprentissage grâce au numérique, mais simplement un amendement de la difficulté liée au numérique. Donc il serait plus simple de faire lire profondément un texte à un élève que de montrer une vidéo. Et on peut très bien faire de la pédagogie active avec cela si, après ce texte, on fait produire quelque chose à l'élève. Donc la pédagogie active n'a strictement rien à voir avec le numérique. On peut faire de la pédagogie active sans numérique. Par ailleurs, le numérique serait motivant. C'est la même chose, les chercheurs nous montrent qu'il y a ce qu'ils appellent un paradoxe préférence-performance. En fait, ce n'est pas parce que l'on préfère apprendre d'une certaine manière que l'on est plus performant. Un élève peut déclarer sa préférence pour apprendre sur tablette, et en réalité, il va être moins bon si on contrôle ce qu'il a appris par rapport à l'apprentissage sur un manuel scolaire. Ce n'est pas parce qu'on préfère apprendre d'une certaine manière que l'on est plus performant. Donc il ne faut pas se tromper quand on parle de motivation de l'enfant. Ce n'est pas parce qu'un enfant préfère manger un bonbon qu'il va mieux grandir par rapport à... Voilà, c'est la comparaison étudiante, mais c'est la même chose en apprentissage. Et puis, par ailleurs, par quoi est-ce que l'élève est motivé quand on lui présente une tablette tactile ? Est-ce qu'il est motivé par ce qu'on lui propose d'apprendre ou par l'objet en lui-même ? En fait, il est motivé par l'objet en lui-même. Et un phénomène d'habituation, au bout d'un moment, il n'est plus motivé parce qu'il connaît, parce que ce n'est plus nouveau. Troisième mythe lié au numérique, c'est le fait que le numérique serait ludique et donc permettrait de faire passer des choses aux élèves qu'on n'arrive pas à leur faire passer de façon rébarbative. Alors certes, ça peut être intéressant de pratiquer une pédagogie ludique, mais il faut bien comparer les choses. Souvent, les études qui sortent et qui essayent d'évaluer la performance des jeux sérieux, ce qu'on appelle les serious games, c'est-à-dire de ces logiciels qui permettent d'apprendre un peu à la façon de jeux vidéo, et bien souvent on compare leur performance avec un apprentissage passif des élèves devant un manuel ou un texte. Donc on compare une pédagogie ludique avec une pédagogie, c'est-à-dire ludique active, avec une pédagogie passive. Donc pour bien comparer les choses, il faudrait comparer des enfants qui jouent sur un jeu sérieux numérique et des enfants qui jouent un jeu sur papier. Et là, des chercheurs l'ont fait et les résultats sont évidemment exactement les mêmes. Parce que ce qui compte, c'est de jouer, c'est d'apprendre en jouant. Ça peut être efficace, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Et ce n'est pas le numérique qui fait la différence, mais bien le côté ludique. Et sur ce thème, eh bien, le numérique n'a pas le monopole du jeu, évidemment. Voilà, donc au-delà des mythes liés au numérique, eh bien, il y a aussi le fait que les écrans sont en eux-mêmes un obstacle à l'apprentissage.
on a une étude publiée par une université américaine qui montre que prendre des notes à la main permet de mieux apprendre et de mieux retenir par rapport à la dactylographie. Puisqu'en fait, quand on prend des notes à la main, on a tendance à reformuler avec ses mots ce que dit l'interlocuteur et à moins paraphraser. Et en reformulant avec ses mots, on commence à apprendre. Donc, prendre des notes à la main et relire ses notes pour un élève, eh bien, il a déjà fait les trois quarts de l'apprentissage, alors que simplement taper sur son ordinateur, il n'a à peine commencé son chemin d'apprentissage et ce sera plus long à la maison. Par ailleurs, les cahiers en papier sont des repères visuels très importants pour beaucoup d'élèves. Le cahier rouge, le classeur vert, les titres soulignés en rouge, etc. Ce sont des repères très importants pour les enfants qui ont une intelligence très spatiale. On sait que tous les enfants n'ont pas forcément le même type d'intelligence développée au même niveau. Et pour ceux qui ont une intelligence spatiale, eh bien, l'apprentissage sur tablette, avec des dossiers numériques qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à un autre dossier numérique, eh bien, c'est perturbant et c'est un obstacle à l'apprentissage. Autres obstacles, là on peut parler du cahier de texte numérique. Alors là, il y a quand même beaucoup de témoignages qui remontent pour montrer que depuis que les devoirs sont notés sur cette ENT, eh bien les enfants les font moins, puisqu'en fait ils n'ont pas noté eux-mêmes dans leur agenda, et donc ils peuvent toujours arguer d'un problème de réseau à la maison pour dire qu'ils n'ont pas pu consulter les devoirs. Ils peuvent aussi s'appuyer sur une éventuelle faute de l'enseignant qui n'aurait pas eu le temps. Et ça peut arriver de noter les devoirs sur le cahier de texte numérique. Et donc, le fautif est bien l'enseignant, hein, l'enseignant qui n'a pas fait son devoir de marquer les devoirs. Et l'élève consommateur n'a donc pas pu prendre les devoirs sur le cahier de texte. Donc là, on a une dérive liée à cette obligation qui est maintenant réglementaire, puisque les cahiers de texte papier ont disparu en 2015 et ne sont plus autorisés. Vous me direz si je me trompe d'après vos expériences. Et puis l'école numérique, ce n'est pas seulement le numérique à l'école, c'est aussi le numérique à la maison, malheureusement. Puisqu'on parle bien de faire ses devoirs en consultant le cahier de texte numérique, mais aussi, pour ceux qui travaillent sur tablette, dans ces fameuses 6e numérique, 5e numérique maintenant, puisqu'on en est à la 2e année, eh bien c'est aussi rouvrir l'ordinateur à la maison pour faire ses devoirs. Et là, il y a une vraie responsabilité de l'école d'envoyer les enfants sur l'ordinateur le soir à la maison. La plupart des enseignants n'ont pas conscience que 80% des enfants vont consulter Internet en solitaire. C'est-à-dire qu'ils reviennent le soir à 17h à la maison et il n'y a personne. Mais là, il faut faire les devoirs. Donc, vous pouvez avoir même des bons élèves consciencieux qui en fait vont ouvrir Internet et vont faire ce que tout le monde fait, même les adultes. Et encore plus les jeunes aujourd'hui, ils vont faire du multitasking. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont regarder une vidéo, d'un œil, ils vont regarder le cahier de texte numérique, et puis là, ils vont ouvrir un réseau social, un deuxième, et puis en fait, ils vont être totalement dispersés, et les devoirs vont peut-être passer en fin de soirée, et en ça, on aura déjà accumulé pas mal d'heures d'écran. Donc aujourd'hui, on estime que pour les... Enfin, c'est pas une estimation, c'est un calcul. Pour les 7-12 ans, on est déjà à 5h30 d'écran par jour, sans l'école. Donc, vous rajoutez l'école numérique, on peut imaginer qu'on y passe bien 4 heures par jour. Donc voilà, on arrive sur des chiffres délirants qui, en termes sanitaires, je ne vais pas développer les aspects sanitaires aujourd'hui, mais sont proprement irresponsables. Donc, les enfants seuls, pour faire leurs devoirs, il y a deux aspects. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect sanitaire, déjà, et puis il y a tous les risques. Puisque l'Internet, c'est le risque de ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire c'est ce risque de trouver ce que l'on ne cherchait pas sur Internet, donc tous les risques de mauvaises rencontres, les risques de trouver des sites Internet dangereux, etc. Donc les risques des images inappropriées. Donc aujourd'hui, tous les enfants sont confrontés à des images de violence ou de pornographie qui ne sont pas adaptées à leur âge. Et puis aussi les écrans à la maison, et bien c'est cette augmentation des inégalités. Donc la question des inégalités est au cœur de cette réforme numérique de l'école. C'est un des arguments principaux de la ministre de l'Éducation nationale. Donc
réduire les inégalités en partie grâce au numérique, comme un levier, mais en réalité, plus vous numérisez l'école, plus vous numérisez les devoirs à la maison, et donc plus vous augmentez ces inégalités sociales, puisque le rôle culturel des parents devient très important. Un enfant qui fait ses devoirs seul et un enfant qui fait ses devoirs sur Internet avec un parent, ça n'a rien à voir, on n'a pas les mêmes résultats et on n'a pas les mêmes risques encourus. Donc aujourd'hui, le numérique à l'école, c'est un amplificateur des inégalités, alors que l'argument est précisément l'inverse. Voilà, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Simplement conclure en se posant la question suivante, est-ce que il n'y a aucune place pour le numérique à l'école, du coup? Qu'est-ce qu'on préconise? Notre livre est sous-titré « Plaidoyer pour une école sans écran ». Donc c'est notre proposition que l'on détaille pour plein de raisons. Mais est-ce une raison pour ne pas avoir du tout de numérique à l'école? Nous, on propose qu'à l'âge de 15 ans, il y ait une vraie discipline numérique qui se mette en place au niveau du lycée, puisqu'on veut étendre l'obligation scolaire. Eh bien, ça veut dire que de 15 à 18 ans, on pourrait avoir discipline, mais qui soit une vraie discipline. C'est-à-dire, ça ne consiste pas à introduire des écrans à l'école, mais bien à enseigner tout l'aspect technique du numérique, c'est-à-dire à faire ouvrir des ordinateurs aux enfants, à leur faire visiter des centres de données, à leur faire comprendre qu'il y a derrière toute une infrastructure technique et économique, ce qui peut être enseigné pendant 2 ou 3 ans sans aucun problème. Et là, on pourrait introduire des cours de code, etc. Mais en échange de ça, libérer l'école des fondamentaux, c'est-à-dire primaire, collège, libérer cette école des écrans pour que les enfants aient le temps d'apprendre la seule technique qui vaille et la seule technique qui les aidera dans un monde numérique, c'est la lecture profonde. Et ça, même le rapport de l'OCDE nous le montre, pour bien comprendre du numérique, il faut bien savoir lire. Aujourd'hui, c'est la seule technique qui permet d'avancer dans un monde même très numérique. Donc il ne faut pas confondre technique et technologie. La technique, c'est la lecture, elle est compliquée, elle repose intégralement sur le CP. Et la technologie, eh ben, ce sont les objets de consommation qu'on peut acquérir ou pas, mais qu'on a bien le temps d'acquérir par la suite. Voilà, je vais m'arrêter là. Simplement une dernière petite chose, vous dire que aujourd'hui, on n'arrive pas à faire de lien entre numérique et meilleurs résultats des élèves. Par contre, on arrive à le faire entre hausse du numérique à l'école et baisse des revenus enseignants et augmentation des gains des industries technologiques.